Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, vous l'apercevez derrière moi, je vais vous présenter une station portable, une batterie portable, la V2400 de chez Toll Power. Alors j'ai déjà présenté ce type de batterie nomade entre guillemets, même si bon ça fait quand même un peu plus de 15 kg, donc c'est quand même costaud. Celle-ci c'est une batterie de 2160 Wh, capable de délivrer 2400 watts et en pic un peu plus de 4000. Ça on va le tester après. Moi surtout j'ai trouvé le gros point fort de cette batterie par rapport aux autres, c'est son silence au niveau de la rechargement. En fait vous la rechargez chez vous, moi je l'ai chargée à fond de balle, pas un bruit de ventilo. Et ça, c'est vraiment agréable quand vous avez besoin de laisser la batterie à l'intérieur du domicile. Autre point hyper important, Théo va nous montrer ici. Déjà, vous voyez, on est en extérieur, on est en pleine lumière. Et l'écran, alors vous, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais nous, en tout cas, il est très lisible. Et encore, il y a le petit film de protection dessus, mais il est malgré tout très lisible. Il le serait encore plus en enlevant le film de protection. Mais moi, je vais le laisser quand même. Et ce qu'il y a de très bien sur ce genre de batterie, c'est qu'on peut régler l'intensité à laquelle vous souhaitez recharger la batterie. Alors vous allez me dire, alors il y a plusieurs intensités, 300, 500, 700, 900 et 1100. Vous allez me dire, à quoi ça peut servir de changer la vitesse de recharge? Ben, tout simplement, c'est si vous avez des panneaux solaires ou que vous voulez juste utiliser le surplus de consommation, ben, vous pouvez régler la vitesse de charge pour ne prendre que votre surplus de consommation. Ou alors, ben, tout simplement, si vous êtes en limite de au niveau de votre compteur EDF, que vous ne voulez pas envoyer 1000 watts dans la batterie, bah vous pouvez régler ça. Et ça, c'est vraiment super pratique. Donc vous avez vu, l'écran, il est très lisible. On voit ce qui rentre, on voit ce qui sort. Donc là, il y a 8 watts qui sortent, parce que vous avez vu, je suis en train de recharger mon petit Osmo. Donc j'en profite pour vous présenter les ports. Donc des ports USB classiques, des ports USB-C 20 watts, un port USB-C 100 watts, qui permet, entre autres, de recharger par exemple mon MacBook Pro. Donc ça c'est super pratique, quand je suis en tournage je peux prendre mon MacBook Pro et ça va envoyer la puissance du MacBook Pro. Bon, sachant que là il est quasiment chargé, donc ça va pas tirer énormément, c'est normal, mais en tout cas il n'y a pas de souci, ça accepte la charge, donc ça c'est top. Je vais remettre à charger mon petit Osmo. Vous avez sur le côté les prises classiques. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est tout bête, mais c'est le système pour ouvrir qui a l'air un peu plus solide que certains. On appuie simplement, on lève, et on a les prises classiques qui sont ici. On va les essayer tout de suite après avec mon fameux test du ventilateur et du décapeur thermique. Vous commencez à le connaître. Côté gauche de la batterie, on a les entrées. Donc on a l'entrée classique qui permet de recharger sur le secteur. Et on a l'entrée solaire, parce que voilà, le kit peut être ou pas, ça c'est au choix, accompagné de panneaux solaires. Donc là j'ai un kit de panneaux solaires 200 watts. Il existe le kit avec 2 fois 200 watts. Il faut savoir que la batterie accepte au maximum 500 watts en entrée solaire. Donc là moi j'ai pris le kit avec 200 watts. C'est déjà largement suffisant pour alimenter en temps normal. Les panneaux sont fournis avec tout ce qu'il faut au niveau connectique, ça c'est super. On a plein de câbles et on a même des câbles pour brancher avec d'autres types de batteries. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que ce kit de panneaux, vous allez pouvoir l'utiliser avec quasiment toutes les autres batteries, même s'ils ont des ports un peu différents. Donc ça c'est vraiment bien. Pareil aussi, ce que j'aime bien dans cette batterie, c'est sur le dessus, on a un emplacement pour ranger les câbles. Donc ça peut paraître tout bête, mais moi qui commence à avoir quelques batteries dans le sous-sol, je passe parfois un peu de temps à retrouver les câbles d'alimentation. Ben là, l'avantage, c'est que tout est dedans, les câbles solaires, les câbles d'alimentation. Et fourni d'origine aussi le câble allume-cigare. C'est pas toujours le cas et ça vaut un petit peu de sous. Donc c'est toujours agréable quand il est dedans. Donc franchement, le kit, il est très 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 complet. Donc ça, c'est vraiment top.
Donc, on a ici les prises allume-cigare, hein. Ça vous avez l'habitude maintenant. Là, l'entrée, enfin la sortie solaire comme on a l'habitude. Est-ce qu'on peut faire entrée-sortie? On a des petites branches ici aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez les boutons pour alimenter en fait chaque partie. Là, vous voyez qu'en fait, on a les USB qui sont alimentés. J'ai cliqué ici. Donc on voit sur la batterie que c'est alimenté. Et quand je vais aller brancher le sèche-cheveux et l'allume-cigare, eh bien, vous verrez que ça va être allumé aussi. Donc, tout simple, hein, on vient connecter sur le côté. Hop, on appuie sur le bouton du haut. On va voir ici qu'on a alimenté les prises en AC. On va envoyer la sauce. Vous avez vu, ça consomme beaucoup, hein, un sèche-cheveux. Je vais décaler du micro. Donc on est à 1860 watts, bon ça n'a pas branché, c'est normal hein, parce qu'elle est donnée pour 2004. Et on vous a déjà présenté des appareils hein, qui ne tenaient pas même rien qu'un sèche-cheveux. Là ça tient sans aucun souci, donc aucun problème. On va y adjoindre le fameux décapeur thermique, parce que l'avantage c'est qu'on peut régler l'intensité. Donc on va pouvoir faire varier un petit peu. Donc pas de souci, on a trois prises. Hein. Donc je mets la deuxième. J'allume. Donc si je le mets à fond, lui aussi hein, il tire dans les 1800 et des bananes. Hein. Donc normalement, hein, si on connecte les deux, eh ben, on va dépasser les 3600. Donc normalement, on va voir comment se comporte la batterie. Est-ce qu'elle va sauter ou alors est-ce qu'elle va, comme certaines on a vu, hein, notamment la Fossibot, est-ce qu'elle va réguler la puissance de l'un ou de l'autre? Ça c'est assez rare, donc on va voir. En principe, ça fonctionne, au bout d'un moment, ça coupe pour préserver la batterie. Donc on lance le sèche-cheveux. On est arrivé au max du sèche-cheveux. Et là, je vais monter progressivement pour ne pas faire tout sauter. Donc là, on est à 2000. Je monte un peu. Là, on est toujours dans les tolérances de la machine. Je vais lui demander plus en chaleur. On a entendu, alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a entendu que ça a régulé, ça a baissé la puissance du sèche-cheveux et du décapeur thermique pour ajuster au 2004, mais ça ne coupe pas mes appareils. Donc lui aussi, il est capable de réguler la puissance et ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez bien le sèche-cheveux, enfin essayez d'écouter, c'est pas évident. Quand je vais couper le décapeur, vous allez voir, il va monter. Écoutez bien. Voilà, on entend, c'est quand même frappant. Si je le remets en route, il baisse, il se régule. Donc ça, c'est un vrai point fort. Et la batterie tient les 2400 watts, promis, sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment gros point fort, c'est que ça ne va pas couper, ça va juste réguler les appareils. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir qu'au moment de l'allumage, elle est capable de monter à 4000, mais hop, elle va réguler d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous voyez l'écran, il est très 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 lisible. Donc on voit que là il nous reste 97% de batterie. Qu'à ce rythme là, bon là on ne charge que petit appareil, hein. Pendant 46 heures ça fonctionnerait. Mais en tout cas une batterie de 2,1 kg on va dire, ça tient quand même assez longtemps. Le gros point fort de cette batterie aussi, c'est son tarif. Actuellement la batterie seule, avec les codes hein, qui tournent etc, vous pouvez la toucher dans les 800 euros. Ça fait 400 euros le kilowatt, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est toujours trop cher, je suis d'accord, mais les prix sont en train de chuter. Et là, on le voit quand même. Hein. Une batterie de 2,1 kg à 800 euros, à peine 1000 euros, même moins, vous pouvez toucher à 900 et quelques avec le kit de panneaux. Franchement, c'est super intéressant. Bien sûr, au moment où je publie la vidéo, hein, si vous regardez la vidéo dans 3 ans, ça aura sûrement changé. En tout cas, cette batterie, elle est vraiment très très complète, très simple, design classique. Chose aussi que je n'ai pas mentionné, cette grande barre ici, c'est une barre LED en fait, où on peut allumer. Alors ça peut être pratique hein, quand on fait des travaux dans un chantier, etc., qu'on n'a pas le courant, qu'on n'a pas de lumière. Ça fait aussi borne SOS. Donc ça, c'est super pratique. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, ce genre de batterie, je le vois bien, hein, voilà, effectivement, dans une cabane de jardin, sur un chantier. Moi, je l'utilise pour tailler mes haies avec mon tailleur électrique. Franchement, ça fonctionne super bien. On recharge nos vélos et trottinettes électriques avec ça aussi. Autre gros atout de ces batteries, c'est qu'elles font onduleur. C'est-à-dire que là, moi, je vais partir en vacances. Je vous ai déjà fait une vidéo, hein, je la mets ici en incrustation.
sur les risques d'inondation par chez nous. Moi, j'ai un sous-sol avec une pompe de relevage. Une année, malheureusement, coupure de courant, la pompe de relevage s'est coupée. On s'est retrouvé inondé. Et là, quand je vais partir en vacances, je vais brancher ma pompe de relevage sur la batterie qui va servir d'onduleur. Donc la batterie sera branchée au secteur et la pompe de relevage sera reliée à la batterie. Et donc je suis tranquille. Je sais que s'il y a une coupure de courant, ça va partir. Je vais utiliser une autre batterie aussi de ce genre-là pour mettre sur mon congélateur qui est dans le sous-sol. En cas de panne, quand je vais rentrer, je n'aurai pas perdu mes denrées alimentaires. Donc ce genre de batterie, voilà, ça peut servir à tout ça. Et bien sûr, à tout ce qui est van life, nomade, camping, etc. Hein, c'est quand même la priorité. Mais moi qui ne fais pas de van life ni de camping, j'utilise très très souvent ces batteries-là. Donc je remercie encore Geek Buying et Tall Power pour m'avoir envoyé ce matériel pour vous le présenter. Franchement, allez voir en description les liens, les codes, etc. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et la différence de celle-là avec les autres, je trouve, c'est le silence à l'utilisation. Vous avez vu, même là, quand on a lancé un petit peu les appareils, on a entendu les appareils, mais elle, on ne l'entend pas. Donc franchement, gros point fort pour cette batterie. Donc merci à tous, vous êtes encore de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a passé le cap des 15 000 abonnés. Néanmoins, vous êtes toujours quasiment 70% à ne pas être abonné en regardant les vidéos. Donc la chaîne pourrait prendre un vrai boost si tout le monde cliquait sur abonnement et sur la petite cloche pour être notifié. Mais bon, dans tous les cas, je vous remercie quand même pour votre fidélité. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.